Bonjour les amis, bon bah je vais vous faire voir comment je réalise mes plombs de pêche à partir de vis et d'écrous. Donc tout simplement on prend une vis, on y empile des écrous, je mets une goupille avec un peu de plomb que je vais emboutir dedans et avec un peu de glu pour sécuriser la chose. Après tout simplement je vais prendre du chatterton et je vais aller l'entourer autour. Et en fait, ça fait juste une petite protection, c'est pour éviter que le fer en fait vienne toucher vos cannes ou quoi que ce soit en fait, qui vienne endommager un petit peu votre matériel. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, comme ceci, voilà, vous avez un plomb qui fait à peu près 100 grammes. Voilà.